J'ai répété toute la nuit. Je suis née pour interpréter ce rôle. Il n'y a qu'un seul rôle principal dans cette pièce. Et c'est moi qui vais l'obtenir. Ce rôle est pour moi. Pour moi. Rêve toujours. Faites-les entrer. Bonjour, nous allons pouvoir commencer. Et... j'espère que vous avez préparé vos monologues. Suivant. Suivant. Break a leg. Ou les deux. Le caractère de la clémence est de n'être point forcée. Elle tombe comme la douce pluie du ciel. Le caractère de la clémence est de n'être point forcée. Elle tombe comme la douce pluie du ciel sur le lieu placé au-dessous d'elle. Deux fois bénie. Deux fois bénie. Elle est bonne à celui qui donne et à celui qui reçoit. C'est la plus haute puissance du plus puissant. C'est quoi le texte déjà? Comment? Vous avez oublié le texte de Shakespeare? Le caractère de la clémence est de n'être point forcé. Elle tombe comme la douce pluie du ciel sur le lieu placé au-dessus d'elle. Deux fois bénie, elle est bonne à celui qui donne et à celui qui reçoit. Aujourd'hui, ce genre de choses n'arrive qu'une fois par millénaire. On est vendredi 13 aujourd'hui. Et c'est aussi le 31 octobre. Non, c'est impossible. Étrange, hein? C'est le jour le plus malchanceux du millénaire aujourd'hui. Oui. Oh là! Un déluge de poisse va s'abattre sur nous, au moins jusqu'à 3 heures. Dès que la cloche sonnera, tout redeviendra normal. Ne vous en faites pas, les goules. Il se trouve que je possède l'amulette de Nookin Nootin. Elle protège celui qui la porte, donc moi, et tous ceux qui sont près de moi. La malchance s'annule. Et tu l'as sur toi en ce moment, ton amulette? Comme elle ne va pas très bien avec ma tenue, c'est Goulia qui la porte pour moi. Oh, non! Oh, je la vois! Ça fait du bien. Je ne tiendrai pas jusqu'à 3 heures. Venez! Plus à gauche. Non, non, l'autre gauche. Vous croyez qu'elle fait quoi au juste? Oh oui, bonne idée, Goulia. Je suis d'accord avec toi. Ça va tout à fait avec sa tenue. Machine qui recycle les déchets en carburant vert. Wow! Ça, c'est le projet de Goulia. Et non, c'est le mien. Grâce à cette espèce de bidule qui recycle, c'est moi qui vais gagner. Je vais être la reine de la fête de la science et ce trône sera le mien. Cléo, ce n'est pas un trône. Tu crois que je ne sais pas à quoi ressemble un trône? Les effets de l'eau du robinet sur le papier toilette. Goulia, comment as-tu pu laisser Cléo te voler ton projet? Il faut te défendre, voyons. Oui, tu n'es pas la servante de Cléo. Si? C'est carrément injuste. Il faut te venger. Cléo va s'en mordre les doigts. Oh, merci. C'est vrai que mon projet était de loin supérieur aux autres. Le trône est à moi! Cléo, je t'ai dit que ce n'était pas un trône. C'est mon projet de science. Avec cette chambre de réhydratation, dites adieu aux peaux mortes. Goulia, arrête! J'espère qu'elle a mis son mascara résistant à l'eau, celui qui tient toute la journée. Parce que je sens que Goulia n'est pas prête de s'enlacer. Loup-garou ou vampire? Pourquoi il faudrait choisir? Je suis d'accord avec toi, les deux sont trop bien. Vous parlez des garçons? Pour une fois, non, on parle d'un nouveau film qui va sortir. Twilight. D'ailleurs, c'est Twilight 3. Toi, il shoot l'étincelle finale. J'ai vu les deux premiers une centaine de fois. Et toi, tu les as vus combien de fois? Oh, je n'ai jamais vu de film. Tu les as vus? Bah quoi, c'est normal. J'ai que 16 jours, j'ai encore jamais eu l'occasion. Les goules, nous avons une mission. Toutes à l'auditorium. Hé, poussez-vous, c'est pour une urgence. Tiens, voilà le premier film, le making-of, le deuxième film. La première expérience cinématographique de Frankie doit être parfaite. Draculaura, branche le projecteur. Laguna, monte le son. Je m'occupe des haut-parleurs. N'oubliez pas le pop-corn. Ni les mouchoirs. Je peux vous aider? Non, ne bouge surtout pas. Tout ce que tu as à faire, c'est profiter du film. Et les filles, je m'y connais un peu en électricité et j'ai l'impression que... je pense que vous êtes en train de surcharger cette...
tellement hâte de le voir, j'étais en survoltage. Hein? Quoi? Contact! Ouf! Il est bien le film? Oh, démentiel! Tu vas adorer, Frankie! Oh, c'est ma 101e fois! Les filles, Goulia a trouvé un vieux livre sur les vampires. Et devinez quoi? Je sais déjà tout ce qu'il y a à savoir, merci. Les vampires se transforment en chauve-souris. Hé, pourquoi on t'a jamais vu faire ça? D'après le livre, tu pourras le faire quand tu seras un peu plus âgée. Oh non, j'ai déjà l'âge. D'ailleurs, je le fais très souvent. Montre! Quoi? Tout de suite? D'accord, mais... Il me faut un peu d'intimité. Alors je monte au beffroi, car c'est là que nichent les chauves-souris. Je ne me suis jamais transformée de ma vie. Pensez comme une chauve-souris. Voyons voir. Transformation. Hop! Oh non! Je n'arriverai jamais à me transformer. Oh! Draculaura? Elle a réussi! Allez... Allez... On s'est bien amusé. Tu t'es retransformée? T'as été géniale! T'es la seule à avoir eu un A de toute la classe! Ouais, t'as vraiment trop assuré, Draculaura! Je ne vois pas du tout de quoi elle parle. Hein? Mon frère m'a mordu la jambe, alors j'étais pas sûre de participer à la course, mais c'est pas ça qui va m'arrêter. Moi aussi, je vais concourir, et c'est moi qui vais gagner. Ah non, elle ne gagnera pas. Je devais être la seule candidate à l'élection de la reine de l'école. Une bonne petite dose de commérage me donnera l'assurance de remporter tous les votes. Alors qu'elle se baladait, Claudine a attrapé des puces carnivores, ce qui l'empêche de concourir. Tu sais donc pour qui voter maintenant? Comme ça, personne ne saura que ça vient de moi. Oh, surtout, ne raconte ça à personne. Je sais exactement à quel ghoul je vais l'envoyer. Oh, eh ben, quelle histoire! Il faut que je le dise aux autres. Non, je ne peux pas. Enfin, je ne devrais pas. Oui, mais j'aimerais bien. Allez, juste à Frankie. C'est pas n'importe qui. Trop mignon, lui. Envoyons. Ça veut rien dire du tout. Envoyez à tous. Oh oui, pourquoi pas. Voltage! Désolée, j'ai envoyé un texto. Envoyez à tous. Grâce à la meilleure campagne de promotion par texto de toute l'histoire de Monster High, la reine de l'école de cette année est... Claudine Walsh. Quoi? Comment c'est possible? Tout le monde a voté pour elle. Comment choisir? Claudine, la meilleure dans son domaine, organisera un carnaval, entrée gratuite si vous votez. Waouh, j'arrive pas à y croire. Je n'étais même pas candidate, c'est fou. Non, les Jonas Brothers, ils sont trop dépassés. Justin Gany, lui, il est craquant. Oh, Burke, Thomas cramé. Ignorez l'offre. Salut les filles, vous avez vu, je pète le feu aujourd'hui. Oh, quel frimeur. Thomas, t'es vraiment un loser. Et t'es loin d'être le plus rapide. J'ai plus de puissance dans une seule griffe que t'en auras jamais dans tout le reste de ton corps. Waouh, j'ai les oreilles qui brûlent. Les filles sont beaucoup trop délicates pour la course à pied, ce sera gagné d'avance. Je rêve, t'as pas osé me dire ça à moi, aujourd'hui. Quand tu veux, je te laisse sur la ligne de départ. Je relève le défi, Minus. Très bien, on fait deux tours. Le perdant devra nettoyer le trou de l'enfer. Marché conclu. Et tu peux garder mon sac et mes livres, mes boucles d'oreilles, mon téléphone, mon maquillage, tous mes bracelets. Cloud, tu restes pas à me regarder atomiser ta petite sœur? T'as vraiment pas choisi le bon jour. Je préfère pas voir ça. Oh, je passerai chez toi tous les jours pour me moquer. Allez-y, les ghouls. Apparemment, tu as oublié que cette nuit, c'est la pleine lune. Aouh! Mes ghouls et moi, on passera chez toi tous les jours, juste pour me moquer de toi. Mauvais calcul. Hé, les ghouls, écoutez ça. J'ai lu mon horoscope dans l'adolescente et apparemment je vais rencontrer le garçon idéal aujourd'hui. Il sera fidèle, mignon et digne de confiance. Oh! Ce sera le premier monstre de ton entourage quand tes yeux quitteront cette page. Alors c'est lui. Comment je suis? Trop belle. Génial. Comme d'habitude. Oui, je sais, on s'y fait. Où il est passé? La poisse. C'est écrit que si je ne lui parle pas avant la fin des cours, la prédiction ne se réalisera pas. Plus que 2 minutes avant que la cloche sonne. Les ghouls, arrêtons-le. Je m'en occupe. Il est parti par là.
Max alors. Il se dirige vers le vestiaire des garçons. On va le perdre. Franky, suis-le. Je m'occupe du plan B. D'accord. Je l'ai. Grenouille. C'est bon, on l'a eu. Ça valait le coup d'essayer. Oui, ça va, j'arrive. S'il sort de l'école, ce sera trop tard. C'est quoi le plan B? C'est toi. Et ensuite, elle lui a dit: hé, hey, même les mariés fantômes portent du blanc à leur mariage. Tu parles. Mais la lavandeuse lui a... La leçon d'aujourd'hui est une leçon de vivisection. Oh. Mes pauvres chers frères verts, n'avons-nous pas tous le même cœur d'amphibien qui bat et le même sang vert de batracien qui coule dans nos veines? C'est vraiment trop injuste. Franky, je vais avoir besoin de ton aide. Tu peux compter sur moi, Laguna, je vais te donner un petit coup de main. Ne vous inquiétez pas, je vais vous sortir de là. Où est-ce qu'ils sont tous passés? Bon, d'accord, le cours est terminé. Hé, hey, joli sauvetage! Où est-ce qu'elles sont? Je leur ai trouvé un endroit rien que pour elles. Ah!